Hello guys! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des défis de Célia. J'en ai déjà fait une, j'ai lancé la série avec une semaine sans sucre. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez toujours pas vue. Qu'est-ce que vous attendez les petits malins? Et on va rester dans cette lignée de remise en forme et je vais faire du sport. Célia va faire du sport, waouh! Bon. Je vous explique ce que je vais faire. Pendant un mois, tous les jours, je vais faire du stomach vacuum et 50 squats. Pourquoi du stomach vacuum? Parce que j'ai vu ça dans la vidéo de Ticia. Elle en parlait hyper bien et ça m'a donné envie d'en faire. Je pense que c'est quelque chose qui est à ma portée. Donc j'ai vraiment envie d'essayer. Et les 50 squats parce que sur Instagram et tout, on voit beaucoup de défis. Faire du 50 squats par jour pendant un mois et je me demandais réellement si ça avait un effet sur le long terme. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà. Comme j'ai envie de sortir de ma zone de confort et de faire du sport, je prends ma caméra et je vous amène avec moi pour tester ça sur un mois. Alors, comme vous pouvez le voir, on se retrouve le matin. Ce sera une première pour moi, peut-être aussi pour vous derrière l'écran. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous faites ce défi. Ça se trouve, ça va être un fail complet et j'espère que je vais y arriver. On va tester tout de suite le stomach vacuum. Ticia a dit qu'il fallait expirer, ouais, et qu'il fallait expirer tout son air en rentrant dans le ventre et après tu... comme ça, je porte... genre tu aspires le dernier truc d'air et en fait ton ventre... Il passe sous les côtes un peu, en fait. Je suis nulle en explication. Mais en tout cas, moi j'ai vu la vidéo de Ticia, allez la regarder. Elle explique 100 fois mieux que moi. Enfin bref, je vais le faire parce que ça fait déjà 4 minutes. Bah, sachez que ça me coûte un peu de montrer ça, je sais pas pourquoi. Parce que en vrai, tout le monde s'en fout. Enfin, je m'en fous du regard des autres. Mais là, en vidéo, je sais pas, c'est pas pareil. Bref. Je vous montre l'étendue des dégâts. En fait, vous voyez, mon ventre, on va le montrer de ce côté, il est naturellement rond. Et en fait, ce que va faire le stomach vacuum, c'est lui donner une forme plate sans forcément avoir des abdos hyper définis. Oui, ça va faire un truc comme ça. Bon, bon ça c'est du gras, hein. Ça va pas l'enlever. Hein. Et les amis, tous les corps sont beaux et les poignes d'amour, c'est génial. Juste, j'en veux pas autant, quoi. Enfin bref, je vais mettre mon trépied pour que vous voyez bien comment je fais. Enfin, ça se trouve, je vais mal faire. Hein. C'est la première fois que je le fais aussi. Donc là, j'expire tout mon air. Attends, attends, j'arrive pas. Je crois qu'il faut un peu de concentration. Ah oui, il faut rester le tenir pendant une minute, il me semble. Bon, écoutez, aujourd'hui, on va faire une minute. Déjà, ce sera pas mal parce que je vois que j'arrive pas à le tenir. Qu'il est pas énorme comparé à certains, déjà. Je sais pas si je fais bien les choses en vrai. Je vais juste prendre mon téléphone. J'aurais peut-être dû étudier comment on faisait le stomach vacuum avant cette vidéo. Mais bon, c'est bien aussi. Moi, je voulais que vous voyiez tout du début quand je galère. Ah, peut-être après je vais être un génie du stomach vacuum. Après par contre pour les squats, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que j'ai peur le lendemain. Parce qu'il faut tous les jours faire 50 squats. Et je vais avoir mal aux jambes tous les jours, c'est ça? Je sais pas. On verra ensemble. Ah, ça s'écrit stomach CH, pas stomach C. J'en ai appris un truc. Ces gens-là, ils arrivent à faire fort. One eternity later. Alors, l'art du stomach vacuum repose sur un travail abdominal qui s'exerce uniquement par la respiration. Cette respiration dite thoracique, très utilisée en yoga et en pilates, permet de travailler les abdominaux en hypopressif et d'engager le transverse abdominal qui est le muscle le plus profond de l'abdomen. D'accord. En fait, ça consiste à travailler ta sangle abdominale de l'intérieur. Ça, c'est ce que j'ai compris. Ah, ok. Il faut que je fasse 6 fois 30 secondes, il est écrit sur celui-là. Ça m'arrange mieux parce que j'y arrive pas. Le stomach vacuum, avant, c'était la star des salles de muscu. Ça, c'est drôle. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vient seulement d'en réentendre parler il n'y a pas si longtemps. D'accord. En fait, c'est vachement conseillé aux jeunes mamans pour rééduquer la sangle abdominale. Je sais pas si vous avez des amis ou si vous avez déjà été enceinte. Mais il y a cette espèce de phénomène où les abdos, ils reprennent parce qu'ils se sont écartés, voyez, à cause du ventre de femme enceinte et ils galèrent à reprendre leur place initiale et ça peut aider. Je vais regarder une vidéo YouTube, je suis comme vous.
A few moments later. Bon, ok, j'ai un peu compris l'histoire. Il y a la version genre étape 1 ou la version very difficult. On va faire l'étape 1. Il faut à tout prix que les lombaires soient arrondis, je dirais. En tout cas, pas droits. Et... j'ai déjà oublié. J'arrondis mes lombaires. Là, j'ai toute ma respiration à l'intérieur. Je dois inspirer ma respiration et rentrer le ventre sans expirer et le rentrer au maximum. Ça, c'est l'étape 1. Ça me rentre bien le ventre, n'empêche. Ça, c'était l'étape 1, l'étape bébé. Moi, j'ai quand même essayé l'autre étape. Et donc, la fille dit que à genoux, c'est mieux parce qu'on peut mieux arrondir les lombaires. Donc, j'arrondis mes lombaires. Ah, ça marche grave. Donc, je t'explique. T'arrondis tes lombaires. Tu expires tout ton air et tu rentres le ventre. Il faut que ton nombril ait envie de toucher tes lombaires, en fait, ton dos derrière. Tu expires tout ton air en faisant ça. Et là, tu bouches ton nez. C'est une astuce qu'elle donne. Et tu aspires. Et ça fait cette espèce de... On recommence, ok? Ah oui, et elle dit de le faire juste quelques minutes ou quelques secondes. Le temps qu'on arrive à tenir, ben on le fait. Et chaque jour, on fait un peu plus. J'arrondis mes lombaires. Ah, ça fait bizarre à l'intérieur du ventre. Je sais pas si j'apprécie. Ok, je vais vous montrer de face. Parce que je sais pas si vous voyez bien en vrai. Ah, je vois dans le retour mes côtes. Ah, ça me dégoûte. Ok. C'est pas grave, on va continuer. Je vais faire ça quelques minutes et ensuite je vais faire mes squats. Ah oui, et ça n'enlève en rien ton gras. Hein. C'est juste ta sangle abdominale qui se renforce à l'intérieur en fait. Et elle respire en même temps. Tu peux inspirer de l'air, mais juste j'y arrive pas. Ok, j'arrive à le faire sans le nez maintenant. On va stopper ça pour aujourd'hui. Ça fait un moment maintenant que je le fais. Et on va faire les squats. Ça, c'est bien parce que je verrai après au montage si j'avais le dos droit. 10, 30, 31, 44, 45 et 50. Ok, mon conseil pour les squats. Il faut toujours que quand vous pliez, le genou soit derrière le pied. Est-ce que c'est français ça? Je vous montre. Vous voyez, si votre genou il fait ça, c'est pas bon. Il faut que vous voyez toujours vos orteils. À 30, j'en pouvais déjà plus. Donc je me demande ce que ça va donner au fil de la semaine. Je pense que je vous ferai un point quand j'en ressentirai le besoin. Mais ça n'a pas trop d'intérêt que je vous prenne tous les jours parce que je vais faire exactement la même chose. Le stomach vacuum, ça a l'air cool quand même. Genre... Je sens que ça va faire du bien. Et j'ai pris mes mensurations, mais je vous dirai à la fin si j'ai perdu ou pas. Oh, un petit oiseau. Il vient chercher des détritus qui sont amenés par le vent juste en face de ma fenêtre. Bon, ma fenêtre est sale, ne regardez pas. Mais regardez, petit oiseau. C'est beau la nature quand même. Si vous voulez apprendre à faire du stomach vacuum, pas sûr que j'ai la bonne méthode. Hein. Moi, j'essaye. Je suis comme vous. En fait, j'expire tout l'air qui est à l'intérieur. J'essaye que mon nombril rentre à l'intérieur de ma colonne vertébrale. Comme ça. Et ensuite, je bouche mon nez. Ben, moi, je le fais sans les mains. Et j'aspire le reste d'air. Et c'est ça qui donne le stomach vacuum. Alors, ça fait déjà 15 jours que je le fais. Est-ce que j'ai remarqué une amélioration? Oui. Est-ce que ça a enlevé le gras? Absolument pas. Mais c'est pas ce que ça me promettait. Ça me promettait des abdos et je pense que j'en ai plus qu'avant. Vous voyez? Là. Ça a dessiné
Bon, il faut faire abstraction du gras qui est autour. Ça, c'est cool. Alors ensuite, les squats. Je suis censée en faire 50 par jour. Quand j'oublie et qu'il est déjà minuit, j'en fais seulement 25. Ça m'est arrivé deux fois. Et avant, il y a 2-3 jours, j'avais complètement oublié de les faire. Et le lendemain matin, je me suis souvenue que je les avais pas fait. Parce qu'en général, je fais le stomach vacuum le matin. Et dans la journée, je fais mes 50 squats. Et donc du coup, hier, j'en ai fait 100 pour rattraper avant-hier. Aujourd'hui, je vais faire mes 50 avec vous. Est-ce que j'ai remarqué une amélioration? Pas vraiment. Je trouve que je suis quand même plus musclée de la jambe. Mais je suis pas satisfaite à 100%. Je vais voir ce que ça donne au bout d'un mois. 10. Ah oui, ce que j'aime bien faire pour mes squats, c'est je fais 1, 2, 3. Et en fait, je reste en lévitation une dizaine de fois. Et ensuite, je remonte. J'ai trouvé que j'avais plus de sensations de muscles. Enfin, je sais pas comment dire. Vous voyez, quand ça chauffe, ben, ça chauffe plus quand je fais ça que si je fais juste 50 squats tout seul. Je vous montre. 10 et je remonte. Bon, est-ce que je vous conseille de faire ça chez vous? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je vais voir à la fin du mois ce que ça donne. Je suis plus convaincue par le stomach vacuum que par les squats. Ah oui, ce que je vous ai pas dit pour le stomach vacuum, c'est que je fais 3 à 6 répétitions. Apparemment 10 c'est hyper chaud. Honnêtement 6 c'est chaud pour moi. Et je reste le plus longtemps possible à chaque fois. J'ai lu des trucs qui disent qu'elles restent 30 secondes. Moi j'avoue, je chronomètre pas. Je devrais. Sur ces 15 prochains jours, je vais essayer de les chronométrer pour voir combien de temps je tiens, parce que en fait, j'en ai absolument aucune idée. Je fais mon stomach vacuum partout et tout le temps et assez facilement. Bon allez, on se voit dans 15 jours. Donc, comme vous pouvez voir, on me voit en train de faire du stomach vacuum. Il faut rentrer les fesses. Je sais pas si on dit. Il faut courber le dos pour qu'il soit plus ou moins rond en réalité. Et ensuite, vous expirez tout votre air. Vous essayez de faire en sorte que votre nombril touche votre colonne vertébrale et vous expirez en même temps. Et ensuite, vous retenez tout l'air. Alors, il y en a qui font comme ça. Mais moi, personnellement, j'ai pas besoin. Pour, en fait, vous comme aspirez le dernier morceau d'air. C'est comme si votre poumon... Mais c'est pas le poumon qui fait ça, je pense. Mais c'est comme si le poumon, même s'il n'y a plus d'air, il reste comme ça. Et là, il s'aplatit. Et les squats, je faisais souvent des par 10 et je les faisais bas, vous voyez, comme vous voyez là. Je les faisais très bas et je restais 10, 10, 10 et je trouve que ça travaille plus. Si je fais 25, 25, parce que j'arrive pas à faire 50 d'un coup, je trouve que ça travaille moins, je le sens moins en réalité. Ça me fait moins mal, donc je préfère faire des mini séquences de 10 où je reste en bas. Ok les gars, on arrive sur la fin de ce défi. Ça fait 30 jours que je fais tous les jours du stomach vacuum et 50 squats. Alors, première chose, j'ai diminué le sucre comparé à ma vie d'avant. Mais je dirais pas que je suis healthy. On mange beaucoup fast food en ce moment parce que l'été commence à arriver et qu'on aime bien manger dehors. Voilà, et que le fast-food c'est le moins cher. Comme ça vous savez. C'est toujours plus de sport que ce que je faisais avant, vu qu'avant j'en faisais... Walouf. J'ai pris mes mensurations avant et maintenant, enfin juste avant de faire mon sport. J'ai perdu 2 cm du creux de la hanche et les autres, je suis plus ou moins stable. J'ai pris du tour de poitrine, bizarrement. J'ai pris 4 cm quand même. Je pense que ça vient de la nourriture, c'est trop bizarre. Ah oui, j'ai perdu un tout petit peu du tour du ventre, donc la partie la plus peuplée. 0,5 cm. Donc bon, j'ai pas perdu grand chose, mais c'est déjà ça. Je pensais que j'aurais perdu des cuisses, parce qu'au niveau du genou, juste au-dessus du genou, je déteste mes genoux parce que le gras de mes cuisses revient dessus. Je trouve ça très laid. Et là, ça s'est amélioré. Donc je suis très contente. Quand j'ai pris la mensuration de mes cuisses, j'ai pris au plus gros, donc ici et pas là. Et je pense que j'ai perdu d'ici. J'avais acheté une balance juste pour la vidéo du sucre, mais je l'ai rendue parce que je déteste la balance, d'accord? Je m'en fous de mon poids en réalité. Je veux juste que mon apparence me plaise. Et je pense que les centimètres de tour comptent plus que le chiffre sur la balance. Mais je pense pas que j'ai perdu réellement du poids. Je pense même peut-être que j'en ai pris parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc si j'ai pris du muscle et pas perdu de graisse, en fait 1 et 1 est égal 2 quoi. J'ai réussi à intégrer le stomach vacuum hyper facilement dans ma routine. Je pense que c'est quelque chose que je vais garder, même si peut-être ça ne sert pas réellement. Enfin si, ça sert à faire des abdos,
Parce que comme vous pouvez le voir, je vais essayer de mettre la vidéo du avant. Mais j'ai quand même... C'est quand même plus dessiné. Et là, je force pas. Donc, je suis assez contente. Même si j'ai toujours mon petit bout de gras qui est là. Hein. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le stomach vacuum, ça sert pas à perdre du gras. Seulement à travailler les muscles intérieurs des abdos. Mais ça me fait toujours plus de muscles qu'avant. Et je me rends compte aussi que c'est pas assez complet de faire des squats et du stomach vacuum. Il faudrait que je rajoute autre chose. Et je pense que je vais rajouter du gainage parce que j'ai besoin de muscler tout ce qui est dorsal et cervical. Parce que j'ai des grosses douleurs et je me dis que si je muscle, peut-être j'aurai moins de douleurs. Et il faut que je regarde d'autres exercices que je pourrais intégrer à mon quotidien qui soient assez... facile et j'aimerais aussi muscler un petit peu mes bras, donc je vais faire vous savez, je pense que tout le monde connaît cet exercice, vous vous calez sur une chaise et vous descendez et ça travaille l'arrière du bras, ça travaille plus ou moins tout le bras je crois, parce que je veux plus ça, donc c'est quelque chose que je vais garder, surtout le stomach vacuum, j'adore ça. Pour tout vous dire, la première chose que je fais le matin c'est ça. Par contre les squats, c'est souvent la dernière chose que je fais de ma journée. Je pense que pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas le sport, intégrer des petites touches de sport comme ça, de sport, franchement je mets des grosses guillemets, le stomach vacuum déjà c'est génial. Je trouve que ça me déstresse aussi, c'est une espèce de... Dès que tu joues un petit peu avec ta respiration, tu vas voir juste tu prends des grosses inspirations et tu souffles fort. C'est quelque chose qui détend, parce que je pense que ça oxygène mieux ton cerveau, il y a un délire comme ça, je me souviens plus exactement. Je sais qu'il y a beaucoup d'exercices de respiration juste pour se détendre, et personnellement je trouve que le stomach vacuum me détend, m'aide à avoir moins d'angoisse, parce que je suis quelqu'un de très angoissé. On se retrouve le mois prochain pour voir si les petits sports, déjà je vais vous montrer ce que je vais rajouter dans mon quotidien, parce que je sais pas trop encore. Je pense que je vais opter pour le vlog, parce que toute une vidéo encore là-dessus, je vois pas trop l'intérêt. Déjà, j'ai eu du mal à filmer pendant ce mois. D'ailleurs, ça va se voir, je pense. Il y a 2-3 séquences seulement. Parce que je voyais pas les résultats au quotidien, si vous voulez. Là, qu'on est un mois après, je peux vous dire que j'ai perdu du ventre, d'accord ? Mon ventre était assez prononcé. Après mon déficit en sucre, mon ventre avait déjà pas mal dégonflé. Et là, il a encore plus dégonflé, je le sens. Même si les chiffres ne le disent pas, je le vois. Et donc j'en suis très satisfaite. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites ce genre de défi. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo pour me soutenir. Et peace, à la semaine prochaine. Non, c'est fini. Oh non, la vidéo est déjà finie. Mais tu peux cliquer là, tu vois ma grosse tête, tu peux t'abonner. Et tu peux aussi t'abonner à mon Instagram, là. Hop, on le voit là, juste là. Voilà, merci, peace.